Bonjour la petite communauté, les petits déconfinos, bonjour à tous. Ce soir, un live un peu spécial. Dernier live Animal Crossing avant... quand j'aurai re-envie. Mais je me disais qu'il fallait qu'on termine sur de belles choses. Car c'est un jeu qui nous aura fait vibrer, qui nous aura fait plaisir, qui nous aura régalé. Il faut en finir avec Peck, exactement. Peck va mourir, eh bien... C'est la réponse que nous aurons ce soir. Est-ce que Peck va mourir? Est-ce que Free Peck? Est-ce qu'on... On ne sait pas. Ça va être selon l'envie de l'instant. C'est le dernier live. C'est le dernier live ever. Après ce live, je ferme ma chaîne Twitch. Pourquoi t'arrêtes Twitch? Oh là là. Allez, on va commencer. On est parti, les amis. Mais évidemment, pour la dernière fois sur Animal Crossing, retour dans le 94 à l'école vétérinaire, bien sûr. Évidemment. Je suis à l'école vétérinaire de Maison Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Et il pleut pour cette dernière soirée. Incroyable, très émouvant. Très émouvant ce plan sur Ramsès devant chez lui. Ah oui, le sondage. Ah merde, on était en mode 0% commu. C'est quoi le sondage? C'est pour savoir si nous allons envahir la Pologne après le live, évidemment. Et le chat vote non pour l'instant. Aujourd'hui, nous avons de la visite au camping. Ah! Ah tiens donc, on va voir qui est la personne. Franck, de la personne. Salut. Souridzi. La voix est très bien. Si on t'a dit qu'un individu louche rôdait du côté du camping, c'est sans doute de moi qu'il s'agit. Mais ne t'en fais pas, l'individu louche en question ne rôde pas, il campe en bonne et due forme. En vrai, c'est toujours mieux qu'Edouard. Hein. Si Edouard veut se barrer aujourd'hui, je lui dis de partir et je prends Souridzi à la place. Hein. Edouard qui est shit tier, hein, on le rappelle. Putain, d'ailleurs, j'ai vu, je sais plus quel est le compte Twitter, genre Animal Crossing FR, machin. Ils ont fait une tier list des personnages de Animal Crossing. Et ils ont mis Edouard dans top. Alors là, j'ai pas compris. Par contre, ils ont mis Peck dans Antoine Daniel. Ils ont fait une section Antoine Daniel dedans. Je me suis senti honorifié, bien sûr. Attends, faut que je retire les mauvaises herbes. Sinon, jamais mon île sera 5 étoiles. Hein. Bah, allez. Bah. Ah non, c'est une vraie fleur. Ah oui, c'est un muguet. Si tu as un muguet, c'est que t'as 5 étoiles. Oh, ouais. C'est la vérité, ça, ou c'est bullshit sur 20? Mon île est 5 étoiles. Oh, mais c'est incroyable. En plus, vu que c'est le dernier live sur Animal Crossing, on termine sur l'île 5 étoiles. Oh, c'est incroyable. Comme quoi, il suffit que tu ne sois pas là pour que ton île passe 5 étoiles. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. La réputation de l'île. Énorme. Et flambe. Quel plaisir. Ah oui, pour célébrer cet exploit, j'offre à tous les résidents un plan pour fabriquer. C'est qui ça? Est-ce que c'est Jacob? Oui. Ah. Merde. Je crois que ça a marché. Salut Enzo du 25. Pour muscler mon cerveau, j'ai tenté un exercice de télépathie. Il faut un esprit costaud pour ça, hein. Je me suis mis à penser à toi très très fort et hop, te voilà. Alors, comment ça va? Je ne réponds pas. Je ne veux pas rentrer dans son petit jeu. Envie de me tabasser les boules. Qu'est-ce qu'il vend ici? Oh, un piano. Je suis sûr qu'il est super cher. J'en suis certain. Je suis certain qu'il est super cher. Oh, mais tout se goupille parfaitement. C'est incroyable. Vu que c'est la dernière fois, on va quand même remettre Enzo dans ses habits iconiques originels. Bien sûr. Et vu qu'on est déconfiné, on va lui retirer le masque. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu sa petite bouille. Incroyable. Elle est moche ton île. Bien comme disait un certain rappeur toulousain, eh bah si mon île elle est moche, bah toi t'es encore plus moche mon gars. Hop là. J'ai essayé de faire de ma maison l'endroit parfait pour se détendre. Ah bah c'est très réussi en tout cas. C'est très réussi. Effectivement, c'est vraiment l'endroit parfait pour se détendre pour toujours, hein, finalement. À quel point connais-tu notre petit touriste, celui qui se nomme Lucas? Aucun souvenir de ce gars. Serais-tu par hasard...
à la raison pour laquelle il a fait tout ce chemin depuis Pat Carbo. Wesh, elle est claquée. C'est ta gueule qui est claquée, fils de yinche. Ne parle pas de mal de Potama, s'il te plaît, sinon tu vas t'en prendre une. Que ce soit bien clair entre toi et moi, Potama est une des meilleures habitantes de l'île. Donc s'il vous plaît... Ah, voilà. Ah, Pécan. Oh là là, Pécan, la beste. Romance kéké. Pécan ? Pécan ? Bah super. Quelle ambiance. Comment va Chauve ? Elle vit toujours à Balpolis ? Je te demande parce que vous avez toujours eu l'air de drôlement bien vous entendre, Codette. C'est la vérité, ça ! Gladys qui dit la vérité, tout simplement. Petit chemin qui mène au piano. On espère voir un concert de pianoman après, bien sûr. Histoire de voir si... il n'usurpe pas sa réputation. On peut voir Peck. Mais en fait, les questions que je me pose quand on me demande ça, genre je vous montre Peck et ensuite... j'ai l'impression d'être à ma conférence du cringe de 2014. Il est où Peck ? Comment t'as eu Peck ? Il est où ? Comment tu as fait pour avoir Peck sur ton île ? Ah. Of course. Elle a réussi à venir en direct de Balpolis. Chauve l'œuf de poche en personne. Arrive sur Kim Jong-il pour la 40e fois. Oh là 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 là. En mode de fête des morts mexicaine. Oh là 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 là. Bien sûr. Ah oui 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 oui. Ah oui 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 oui. Oh, il est arrivé dans ses habits de Neuilly sur scène. Nicolas Sarkozy en personne. Chauve. Qu'est-ce que tu faisais, Chauve ? Tu voulais enterrer un cadeau devant le piano, c'est ça ? Rien ? Oh non ! Oh mince alors ! Oh un piège, merde ! Oh c'est pas vrai quoi ! Oh vous m'avez bien eu alors, hein ? Vous m'avez bien eu ! Bravo à vous ! Oh là là, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que ça ? Bah Chauve ! Mais Chauve ! Tu récupères les cadeaux, Chauve ! Nicolas Sarkozy en train de rendre l'argent libyen. J'en prends juste un peu. Je vous en laisse, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas, je vous en laisse, y a aucun problème. Y a aucun problème. Ok, bah alors maintenant c'est foireux comme ça. D'accord. Super. Oh mince alors, Nicolas Sarkozy s'est fait prendre. Sarkozy au trou, finally. Finally. Évidemment. On parle de Chauve, on parle de Philippe de Philippolis, on parle de Nicolas S, bien sûr. Mais évidemment, ces Live Animal Crossing ne serait rien, évidemment. Sans lui, finalement, n'était-ce pas le meilleur d'entre nous ? Finalement, n'était-ce pas le meilleur d'entre nous ? Méritait-il un traitement pareil ? Finalement, n'était-ce pas le meilleur habitant que je n'ai jamais eu sur cette île ? Finalement. Finalement, est-ce qu'il ne mériterait finalement pas non seulement d'être libre, mais en plus de ça, d'avoir la meilleure maison possible dans tout le jeu ? Je pense que cette mascarade a suffisamment duré. Il est temps de free Peck. Il est grand temps à présent. Marche ! Marche ! Marche ! Marche, Peck. Et je vais te faire le plus beau palais ! Peck, le meilleur. Le meilleur habitant que je n'ai jamais eu sur cette île. Tout ça parce que, le jour de mon arrivée, il m'a dit « Je n'ai pas le temps de parler, il faut qu'on aille à la réu. » J'ai décidé de lui foutre la misère. Je l'ai fait pendant 2-3 mois. Il n'est jamais parti. Il m'a toujours donné des objets. Il a accepté le chapeau caca que je lui ai offert. Il me donnait des remèdes quand je me faisais piquer par des abeilles. C'était ça, Peck. Nous étions trop aveuglés par notre haine pour voir qu'au final, Peck ne méritait pas ses Vespasiennes ni ses barbelés. Il ne méritait rien de tout ça. Peck outragé, Peck brisé, Peck martyrisé, mais Peck. Peck libéré, bien sûr. Pour reprendre les mots du général. Casse-toi, Potama. Tu es une très bonne habitante, mais moins bonne que Peck. Mon mascara n'en finit pas de couler. J'ai l'impression que de revivre 89, que quelqu'un vienne jouer du violon en haut de ma tronche, SVP, tout à fait. C'est vraiment la chute du mur.
tous ces objets que j'ai accumulés, toutes ces richesses que j'ai accumulées, elles reviennent de droit à Peck. Je pourrais laisser un petit bout comme pour le mémorial comme à Berlin. Le mémorial. Voici le mémorial de Peck. Lui qui aime tant faire du sport. On va lui mettre le panneau de basket, le set tennis de table, le VTT. Mérité. C'est la maison de qui ? C'est la maison de Peck. Peck, le meilleur habitant que j'ai jamais eu sur cette île. Je pourrais regarder les matchs de basket de Peck ici. Et me régaler. La pile de lingots. Mérité. Avec mon meilleur ami Peck. Et Edouard la merde. Elle est sympa cette chanson Macron démission. Très étonnant d'avoir ça dans le catalogue musical de Keke quand même. Pianoman de Pianoland, prêt à nous jouer son petit concerto sur le piano. Pianoman, tu es très laid. Pas trop ému que ce soit la dernière. Je chiale de ouf en fait. Ma réaction devait être bien. Ma réaction devait être vachement bien. Maintenant, à partir de maintenant, je fais le live comme ça. Super. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, bien sûr. On a eu Chauve et Nicolas S avant. Là, on a le sanglier et Pianoman. Oh, la prestation de Pianoman au piano. Quel régal, putain. Merci beaucoup, Pianoman, pour cette envie de pleurer. Mais bien sûr. Comme nous tous, bien sûr, Pianoman. La maison de Peck, bien sûr. Avec la double liberté. Tourner vers les étoiles, tourner vers le ciel. Le trône doré, ses lingots. Devant sa fontaine asiatique. Incroyable. Ils sont parterre de fleurs. Ici, nous avons le mémorial du passé difficile de Peck. Ainsi qu'un panier de basket et une table de tennis de table. Car il adore le sport. Quel frère. Allez, on se fait une petite chanson solo, la dernière. La toute dernière. Quelle est la musique la plus triste ? Celle qui s'appelle Adieu, non ? Oh, y'a Peck qui vient avec moi en plus ! On sera tous les deux pour la fin. Oh non, Potama, pas... Non. Non, Potama, non ! Non, Potama ! Potama ! Eh ben écoutez, avec Potama, profitez. Adieu. Merci à tous. C'était les lives Animal Crossing. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à les suivre. Félicitations. Et n'oubliez pas, le plus important. Je suis à l'école vétérinaire de Maison Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Rire de droite.